Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On est sur Black The Fall, un jeu sur Nintendo Switch. Je joue avec le contrôleur pro de Xenoblade Chronicles 2. Voilà, alors je le précise, c'est un jeu indépendant qui coûte 13,49€ actuellement sur le Nintendo eShop. Il est disponible normalement à 14,99€. Il y a une petite promo en ce moment de moins 10% sur le Nintendo eShop. Il n'est pas disponible en version boîte. Soit dit en passant, vous pouvez gagner ce jeu si à l'issue de cette vidéo il vous plaît en participant à un concours sur Twitter. Ce n'est pas moi qui l'organise, c'est Amiibo France, donc je vous mets le lien dans la description. Et si ça vous plaît, eh bien vous pourrez potentiellement le gagner pour vos petites mimines pour y jouer chez vous. Voilà, tout simplement. Et on va se lancer tout de suite dedans. Je ne sais pas du tout encore ce que c'est. On va taper ce que c'est sur internet pour voir exactement ce qu'en dit Nintendo, puisque je me suis lancé dedans à corps perdu, tout simplement. Alors, la liberté, c'est le contrôle. Lassé des longues années de dur labeur, un ouvrier décide de fuir l'oppression du régime en place, avec pour seule arme son ingéniosité. Son ingénuité? Son réflexe et sa déception. Il lutte à travers des passages secrets, ténèbres et douleurs. En chemin, il se lie d'amitié avec une créature des plus improbables, un petit Romo abandonné. Parviendront-ils à résoudre les casse-têtes, à échapper ensemble à ce monde si morne? Résolvez les casse-têtes enfouis dans l'atmosphère oppressante d'une dictature, manipulez hommes et machines, liez-vous d'amitié avec un robot, saisissez votre chance de renverser un état totalitaire inspiré de faits réels. Ok, très bien. Donc on se déplace avec le joystick gauche, on peut courir avec le bouton ZR, alors on peut se baisser avec le bouton ZL, et on a un petit vélo qui est là, on va aller sur le vélo. Très bien. Alors qu'est-ce que ça nous active? J'ai l'impression que plus il pédale, plus il y a un truc qui se passe. D'accord, on a un petit... wagon qui arrive. Peut-être que ça va nous ouvrir la porte. Parce que ça m'a l'air complètement fermé. Oui, la porte est ouverte. Alors du coup, on va peut-être courir un peu. Voilà, ça c'est fait. Oh là, on avait un... On est passé de justesse devant la... Oh, attendez. Oh, punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est bon. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'aime pas trop ça. Alors... Oh là, hop, 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 hop. Ok, très bien. Donc régime totalitaire et arme surpuissante qui nous défonce la tête si on fait pas attention. Donc on va avancer précautionneusement. Donc je trouve l'ambiance assez, assez bien transcrite d'un régime totalitaire. Je sais pas, les couleurs, le caractère design du petit personnage avec sa petite casquette, genre officier russe qui essaye de s'échapper et je ne sais pas. Alors c'est censé être un ouvrier, mais je sais pas, avec la petite casquette, en tout cas de là où on le voit, on dirait plutôt un soldat. C'est un robot? C'est un robot, les gars, c'est un robot! Attendez, on va ouvrir la porte. Donc en fait, avec A, vous pouvez interagir avec l'environnement. Et bien écoutez, on va... Ouh, c'est joli, ça. Oh, j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs un peu, vous savez, métallurgiques, un petit peu révolution... révolution des machines, l'époque ferroviaire et tout. J'ai oublié le mot. Je raconte n'importe quoi. Alors, ça, c'est fait. Ok, ça devait désactiver un truc. Regardez là, je pense que ça a désactivé une espèce de fumée bizarre ou je sais pas quoi. Donc, je découvre le jeu en même temps que vous. Hein. Alors bouton A pour ouvrir. Et on a d'autres robots comme nous qui sont là. On va essayer de se faire tout petit pour pas qu'ils nous voient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent derrière une espèce de rideau. Oh! Punaise! Eh ben on va passer en courant. Hein. Vas-y, passe, 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 passe. Oh! Ah punaise, mais comment on va faire? Ok. Ah oui, donc on est pas du tout dans un jeu qui se joue genre... attendez, on va attendre qu'il passe. Là, bah, c'est bon. Non. Punaise, mais c'est pas possible. Je sais même pas ce qu'il raconte, genre sport, je sais rien. Attendez, on va attendre qu'il le mette en... Ah, c'est ça, c'est le bruit, d'accord, il se repère au bruit. Il se repère au bruit. Alors, attendez. Attendez, 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 attendez. Il doit y avoir un truc, genre il s'occupe d'un détenu ou je ne sais pas quoi, et on va pouvoir passer. Elle est là. Là, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, parfait. Je sais pas ce qu'il en a fait, mais. Alors ici, on saute. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est pour monter. Alors on a du vert en face, j'ai l'impression. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas trop. Voyons voir. C'est du verre, on a brisé une fenêtre. Alors par contre il y a une canalisation juste en face, donc on pourra pas passer. Peut-être la fenêtre d'en dessous. Alors attendez, j'attends que le faisceau rouge se barre.
Peut-être la fenêtre d'en dessous, je suis partisan de tenter la fenêtre d'en dessous, les gens. On va voir ce que c'est. J'aime bien l'ambiance. Alors, je trouve que pour un jeu à 14,99€ d'un développeur indépendant, c'est ça? Qui est le développeur? Le développeur, c'est... J'ai pas l'indication du développeur, détail. Dans détail, peut-être. Éditeur Sandsailor Studio. Est-ce que Sandsailor Studio, ils nous ont fait autre chose? C'est une très bonne question. Joueur, alors vous ne pouvez jouer que tout seul. Casse-tête aventure. Sandsailor Studio, c'est une bonne question. Non. Studio Bucarest en Roumanie. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu. Je sais pas, il y a une espèce d'ambiance un petit peu. Ouais, un petit peu régime totalitaire. Enfin, je dis pas qu'en Roumanie. Je connais pas le régime totalitaire. Je connais le régime de la Roumanie. N'hésitez pas à me dire si c'est un régime présidentiel, un régime totalitaire. Je ne connais pas du tout, du tout. Si parmi vous, il y a des Roumains, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne connais pas du tout. C'est vrai que je me suis jamais intéressé vraiment au régime des autres pays qui sont autour de la France. C'est peut-être un de mes défauts de ne pas m'y être intéressé. Mais je suis intéressé par ça. Donc si vous voulez m'informer, je sais tout à fait preneur. En tout cas, l'ambiance du jeu est très pesante. Voilà, les mouvements du personnage sont assez lourds lorsque vous le déplacez qu'avec le joystick gauche. Et là, une fois que vous utilisez le bouton ZR, là par contre ça prend tout son sens. Et on a réussi à passer, donc c'était bien ça. Ça prend tout son sens. Et là, du coup, eh bien, le personnage devient un peu plus facile à manipuler. Mais, je le précise, il est pas facile à. Oh là là, attendez. C'est pas facile à prendre en main tout de suite. Attendez. Oh là là, on va se mettre sur le vélo vite. Vas-y, pédale pour que on ne te voit pas. Ok, c'est bon, vas-y. Allez, vas-y, vas-y, on court, on court, on court. Alors, j'avais peur que le bruit déclenche quelque chose. Oh là là, mais ce monde est sale. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il dort, il dort, il dort. Non, non, non! Ok, oui, bah, il faut pas. Je sais, il faut passer lentement. Attendez, on va passer très lentement. Surtout, ne pas renverser ça. Oh là là, mais. Il faut le savoir. Hein. Attendez, allez, on va par ici. Attendez, peut-être, il y a peut-être un truc à. Il y a potentiellement un truc à désactiver là-haut. Je pense. Attendez, ça doit être un truc à désactiver là-haut, sinon on peut pas passer. Ou pas d'ailleurs. D'accord, je pensais qu'il y avait un truc à désactiver, mais en fait c'est juste que le passage d'en bas n'était pas praticable. Oh là là. Je trouve que au niveau du gameplay, on est sur un 2D, un défilement à l'horizontale. Mais ce que j'aime bien, c'est justement ce. Cette particularité, cette singularité du jeu de pas faire comme les autres. Oh punaise! Ah oui, d'accord, il faut se baisser. Là, par contre, il faut se baisser. Très bien, attendez, hop! Ok, il va peut-être me lâcher la grappe. Je ne suis plus là, je ne suis plus là. Allez, vas-y, cours! Baisse-toi! Ah punaise, j'ai pas réussi à temps, il faut peut-être le faire plus vite. Attendez. Oh là 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 là! C'est chaud patate! C'est chaud, et moi j'ai super froid. Oui, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, je sais, je suis au courant. Bref, si vous kiffez ce jeu, surtout n'hésitez pas à participer au concours qu'organise mon pote Amiibo France. Voilà, parce que j'ai trouvé ça super cool. En fait, c'est lui qui m'a passé le jeu. Il m'a dit, écoute, voilà, moi j'ai pas le temps de le tester, donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux le tester. Et du coup, bah moi j'organise un concours, donc n'hésite pas. Et puis bah du coup, bah, si vous avez envie de le gagner, eh bien c'est toujours super sympa à faire. Je pense que c'est. Oh là 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 là, oh là 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 là, c'est toujours original. Je pense que c'est un. Ouais, je pense que c'est une expérience vidéoludique à faire. Moi, honnêtement, là, de ce que j'en tire en tant que testeur, entre guillemets, c'est que bah, on est sur une expérience qui est assez oppressante, mais assez intéressante à faire d'un point de vue patience. Parce qu'il faut savoir être patient. Je vous avoue que là, ça titille ma patience. Moi qui préfère en général foncer tout droit, sauf dans les jeux de stratégie où il faut méga réfléchir. Là, on est plutôt dans un jeu calme. Attendez, qu'est-ce que ça désactive, ça? Ah, d'accord. Attendez. Oh, tu vas cramer, toi. Allez, vas-y, viens. Allez, tiens. Allez, mais mange ça! Allez, bah voilà! Ah, on fait moi la maline! Ah, on fait moi la maline! Allez, vas-y, mais. Vas-y, mais avance. Alors. Ok. Alors, tu vas me casser ça encore une fois, je pense que c'est ça. Encore? Encore? C'est pas possible. On se sert en fait du petit robot. Qui est au-dessus, voilà, c'est bon. Alors, du coup, on doit pouvoir sauter sur les rebords. Magnifique. Parfait. Alors, du coup, on va y aller précautionneusement par la suite parce que je sais que si j'avance trop vite, en général, ce qui est ma fâcheuse tendance, eh bien, il y a des problèmes. Ouais, regardez. Il faut qu'on passe doucement parce que sinon, il va nous repérer au bruit. Ok, ça, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, il contrôle le.
Quand on marche sur la petite planche, ça déclenche un truc. Comment on fait? Si on saute dessus? Ok, la planche est prête à céder. Peut-être qu'en lui tombant sur le crâne, ça pourra faire quelque chose? Non, c'est pas là? Ah oui! Ok, très bien. Et on récupère ce qu'il avait dans les mains. Très bien. Comment ça se passe? Alors, il y a un petit truc d'indication à droite. Toi, voilà, tu viens là. Tu viens là et tu vas t'occuper du portail pour me faire passer, s'il te plaît. Merci. Hein? Parce que bon, on n'a pas non plus 15 ans à perdre avec des portails qui sont juste à passer. C'est qu'on peut contrôler des petits robots. Alors, est-ce qu'on peut contrôler aussi ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi on ne peut pas sélectionner le petit robot qui est là? À moins qu'il faille que je sélectionne. Je peux pas. D'accord, si ça passe à travers. Ah, punaise. Ah non, je peux pas. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah là là, mais je suis aveugle. Mais laisse-moi faire! D'accord, il faut l'emmener doucement par là-bas. Alors, maintenant que je t'ai sélectionné. Voilà, très bien, magnifique. Et oui, mais forcément, elle est pas contente. Elle est pas contente. La tourelle au-dessus, elle est pas contente, les gens. Elle est pas contente qu'on ait pu déjouer sa stratégie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on peut rentrer dedans. Oui, absolument. Pour pouvoir. Ok, on est caché par la porte. Non, j'étais caché par la porte, mais non, mais non! Oh là, c'est abusé. Bon, écoutez, on va se quitter ici. Je pense que ça suffira pour cette vidéo. J'essaierai par la suite, moi, de le faire. De toute façon, ça promet des petites casse-têtes comme ça. Et je pense des petits trucs de rage. Hein. Je pense qu'on est aussi sur une potentialité de rage assez élevée. Donc, écoutez, les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qui est ici présente, la chaîne MMB, la mienne. Voilà, vous pouvez également me laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas à participer au concours pour remporter ce jeu si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. Ce sera toujours et encore à vous de décider. Salut, salut. Salut!